Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir, bonsoir. Quatre terriens de choix avec nous ce soir, Delphine Bateau. Alors Delphine Bateau, vous êtes l'ancienne ministre de l'écologie virée en juillet dernier pour avoir osé critiquer la baisse du budget de votre ministère. On dit que François Hollande n'arrive pas à prendre de décision. Vous êtes très flatté qu'il ait fait une exception pour vous, quand même. Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, bonsoir. Alors, Laurent, il y a 10 jours, vous avez eu 65 ans. Vous êtes ici ce soir pour fêter ça. Vous le vivez bien. Vous le vivez bien. On a le même âge. Bruno Gassio. Bruno, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouveau livre et du nouveau parti politique que vous venez de créer, Nouvelle Donne. Mmh. Nouvelle Donne. C'est Patrick Bruel qui a trouvé le titre, non? Je ne sais pas s'il est avec nous, il faut jouer l'officier de la liste. Et Jean Humbert. Alors Jean Humbert, bonsoir. Marion Cotillard, Robert De Niro, Jean Dujardin, Gérard Depardieu, Johnny Hallyday, toutes les stars fréquentent votre restaurant. Pourquoi vous offrez un café quand on a eu un Oscar ou un César? En tous les cas, ça marche. Okay, en P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Corentin de Châtel-Perron, qui nous racontera comment il a traversé les océans seul à bord de sa coque de noix. Nous sommes sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Laurent Voulzy, rebonsoir. Rebonsoir Thierry. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Le problème, c'est que c'est plus 64. When I'm 65. C'est pas mal. Ouais, ça va. C'est aussi bien. Mais il faut trouver une rime avant, quoi. Alors, Laurent, vous êtes fan des Beatles depuis longtemps, au point de toujours traverser sur les bandes blanches. Hein, c'est... Je l'ai fait, ouais. D'ailleurs, vous vivez en Angleterre depuis 8 ans, mais vous payez vos impôts en France. Voilà. Non, mais pourquoi, non? C'est bien, en tout cas. Non, c'est-à-dire que c'était provisoire, on devait rester un an. Ouais. C'était un peu pour que mon fils s'adapte à la langue anglaise avant de le mettre dans une école bilingue en France, le dernier de mes fils. Et puis finalement, d'année en année, on prolonge et ça fait la 8e année. Voilà. Voilà. Laurent, vous le dites, à 65 ans, j'arrive pas le croire. Vous savez que vous avez le même âge que Jean-Pierre Raffarin. Alors en 2011, vous avez sorti un album très inspiré par des sonorités médiévales, pop, mais quand même, intitulé Listen Love. Cet album a été vendu à 400 000 exemplaires. Jeanne a été chanson de l'année aux Victoires de la Musique 2012. Alors, cet album, vous l'avez joué sur scène, notamment dans des lieux sacrés, à la Basilique Saint-Denis, à Saint-Eustache, et c'est là qu'a été enregistré le CD et le DVD live que vous sortez aujourd'hui sous le titre « Lease and Love Tour ». Et puis, il y a un coffret. Oui, il y a les deux CD, un DVD, et un livre qui sont les chroniques quotidiennes de la tournée. Voilà. Donc, il y a 80, il y a 100 pages, et c'est ce que je vis au jour le jour. On regarde à quoi ça ressemble. Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie. Voilà, Jeanne. Extrait de Listen Love Live. Bravo. Alors, c'est un disque à écouter chez soi en Côte de Maille, bien sûr.
Alors, Laurent, vous avez près de 45 ans de carrière, et en 45 ans, vous n'avez sorti que 5 albums originaux. Ça fait donc 9 ans par album, soit une chanson par an. Est-ce que là, on peut voir vos origines antillaises? J'ai fait aussi des singles à l'époque. D'abord, Recollection, ouais. Belle Île en Mer, Les Nuits sans qu'il moille, Le Soleil donne, My Song of You. Tout ça, c'est des singles, en fait. Mais c'est vrai que je prends du temps, parce que je ne suis jamais content, en fait. Et j'ai écrit des chansons aussi avec Alain Souchon pour ses albums. Ouais. Et puis un petit peu pour d'autres aussi. En fait, vous n'êtes pas si antillais que ça. Ça vous fait chier qu'on vous vanne sur vos origines, non? Ah ben non, mais non. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Mais non, mais j'adore les Antilles et tout. La France d'aujourd'hui, vous la trouvez raciste ou vous trouvez que le métissage gagne du terrain quand même? Bah, le métissage, il gagne du terrain, pour la bonne raison. Par exemple, quand j'étais petit, sur la cour de récréation, en 1959, je crois que j'étais le seul coloré de la cour de récréation. À l'époque, on vous attachait à un arbre comme un sauvage, on vous faisait manger de la neige. Mais c'était des gamins. Mais surtout, j'ai connu aussi le regard des gens, quoi, qui est, ouais. d'adultes dans un immeuble où j'habitais, qui était... Ah, je me souviens, c'est quand vous descendiez la poubelle, oui. Et il y avait un mec, chaque fois que vous descendiez la poubelle, il disait, tiens, voilà les mecs qui descendent la poubelle. Ouais. Et vous, c'était tellement terrible pour vous que vous descendiez la poubelle. Ah bah, tout doucement, j'étais tout petit. Mais donc, ça veut dire que c'est pas nouveau. Ouais. Alors, c'est un problème de savoir si les gens sont plus racistes aujourd'hui. Je ne pense pas. Je pense que, simplement, il y a des gens qui se lâchent plus. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut apprendre à être raciste? C'est un autre problème. Mais c'est un problème très compliqué. Je trouve qu'on en parle assez mal, du racisme. Est-ce qu'on a peur simplement de la différence, même quand il n'y a pas beaucoup de gens différents? Ou est-ce que c'est la masse de gens différents qui crée des mouvements de rejet? Et ce n'est pas simple de parler de ça. Ouais. Ce n'est pas simple du tout. Et puis un jour, heureusement, en Bretagne, vous êtes en vacances sur la plage, vous trouvez un air, vous courez chez vous pour le recopier sur un bloc de papier. Et là, votre thérapie a commencé, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est la première fois que je prenais conscience qu'on pouvait... composer un morceau. Comme j'avais rien à l'époque pour enregistrer, j'avais 9-10 ans, alors j'ai couru à la maison, j'ai dessiné une portée qui devait être une portée grégorienne avec 4 lignes au lieu de 5 d'ailleurs, et j'ai écrit un peu n'importe quoi en espérant me rappeler de l'air. Mais c'est la première fois que je prenais conscience de composer. Ouais. Et l'air, vous n'avez jamais fait une chanson? Non. Alors Laurent, tout le monde vous aime, c'est pas normal. On va brûler l'idole, on va faire une interview, sale bonhomme. Est-ce que vous avez déjà dit à votre femme, tu sais que tu as de la chance d'être avec moi? Ah non, jamais. Est-ce que vous avez déjà frappé un enfant? Non. Même... Une petite tape, oui. Une fois. Est-ce que vous avez déjà volé une chanson à quelqu'un? Pas à ma connaissance. Bon. Oui. Non. Alors. Sauf dans des emprunts avoués comme dans Recollection. Oui. Mais à ma connaissance, non. Mais il est possible qu'on fasse des emprunts parfois inconscients. Oui. Est-ce que vous avez déjà touché à la drogue, Laurent? Oui. Alors. Vas-y, profites-en. Profite, fais des questions. J'aime bien la réponse. Tu vas pas me dire non, quand même. Non, mais j'aurais pu, mais alors je vais vous dire non. J'ai touché, bien sûr, j'ai fumé de l'herbe, très très peu, parce qu'à chaque fois, ça ne me réussit pas. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis pour vous. Ça aide à composer plus d'un album ou d'une chanson par an. Voilà. Non, mais il y a eu les Beatles. Les Beatles, ils ont fait 450 chansons. Bah oui. Les Beatles, s'il n'y avait pas eu la drogue, ça serait les musclés, vous savez. Ouais. Alors. Est-ce que vous avez déjà fait payer un autographe? Jamais. Est-ce que vous regardez des films porno? Ah, oh bah oui. Alors, ça fait du bien. Avec un petit pétard, un bon porno. Bien sûr que ça m'est arrivé. Ouais. Et non seulement ça, mais il est arrivé une époque, dans le début des années 70, j'ai même fait des musiques de films érotiques. Ouais. Est-ce que vous avez déjà dit, moi aussi je t'aime, pour faire plaisir? Bah oui. Non. Ah, oh, je sais plus. Ben vous n'êtes pas tellement un sale bonhomme. Finalement. Non. Non, ça va alors. Ah, vous êtes un bon bonhomme. Bravo. Non. Jean-Hubert Robonsoir. Bonsoir Thierry. Alors vous êtes le vainqueur de l'émission Top Chef en 2012. Vous êtes le chef du restaurant des stars L'Acajou, que par exemple Robert De Niro adore. Et vous présentez sur M6 Recette de fou avec Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, votre compagne. Bref, vous êtes célèbre, vous êtes pote avec De Niro, vous couchez avec Miss France. Elle est pas belle, la vie?
Ça va. Eh oui, il y a un peu de lui. Hein. Alors, vous avez remporté Top Chef en 2012, mais contrairement à François Hollande, votre popularité ne s'est pas effondrée, vous. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai continué à cuisiner. Donc... Et voilà, alors c'est fou la popularité des chefs aujourd'hui. Vous imaginez des gens qui aduleraient un musicien dont ils n'ont jamais entendu la musique. C'est-à-dire, tout le monde l'adore, mais on n'a jamais goûté ses plats, enfin la plupart des gens. Si, j'avais mon resto pendant Top Chef, donc c'est vrai que les gens illico pu venir, mais... C'est bizarre, mais ces émissions comme ça sur la cuisine, ça se termine toujours par « c'est bien, il y a du croquant, ce plat raconte une histoire, il y a de la fraîcheur ». Voilà, c'est ça. Con de parler de la bouffe comme ça, pourquoi on dit pas « c'est bon » ? Il y a une phrase qui est terrible, c'est « on va partir sur... » On va partir on fait jamais, de la viande. On part en voyage sur de la viande, on part en voyage sur des poissons, on part en voyage sur des légumes. Ouais. On se promène. Il y a, une sémantique de l'émission culinaire qui est assez insupportable, quand même, c'est vrai. Ouais. On a l'impression qu'ils vont parler pendant une heure d'une feuille de cresson assaisonnée au vinaigre de framboise. Genre, avec un peu de truffe, bien sûr. Ouais. Il n'y a jamais eu autant d'émissions culinaires à la télé, autant d'obèses pour les regarder, d'ailleurs. C'est le problème. C'est le problème. Non, mais... Ouais, pour moi, c'est une aberration, c'est vrai. On n'a jamais vu autant les gens s'intéresser à la télé, les livres de cuisine, tout ça. Et pourtant, la malbouffe, moi, je la vois, elle est présente. Enfin, c'est omniprésent. Aye. Pour moi, c'est l'aberration du truc, c'est clair. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous lui feriez à Robert De Niro pour le réveillon, là, du 1er janvier, là, parce que... Je lui ferais des pâtes, parce que... Il aime les pâtes, bah, oui. Ouais, je sais pas, des vieilles raviolis, mais maison. J'ai mangé les raviolis de son grand-père, d'ailleurs. La recette de son grand-père, ouais. Mais, ouais, des vieilles pâtes à l'arrière d'une salle, façon les affranchis, quoi. Vous mettez quoi dans les pâtes pour De Niro, alors? Je sais pas, mais il voulait pâtes pas lourdes. Le truc, quand il est rentré la première fois dans les cuisines, il m'a dit, en français, il parle très bien français, il m'a dit « tout, mais pâtes pas lourdes ». Il m'a dit comme ça. Et après, la recette de son grand-père que j'ai essayé de refaire, c'est de l'agneau un peu mijoté. C'est pas des... Ouais, voilà. C'est bon, ça. Ouais. C'est de l'agneau un peu de tomate, romarin, basilic, un peu d'ail, tout ça. Bon, allez, on va bouffer. Alors, ça va avec Alexandra? Ça se passe bien? Très bien. Mais après Miss France, votre objectif, c'est quoi? Miss Monde? Je sais pas. Joker. Alors, ça fait quoi de sortir avec Miss France Jean? On va le savoir. On va faire une interview. Mister France. Alors, Jean, quand on sort avec Miss France, est-ce qu'on devient militant de la paix dans le monde? Oui, forcément. Oui. Est-ce qu'on pense à la France quand on fait l'amour? Au drapeau. Est-ce qu'on se peint le sexe en bleu, blanc, rouge? Pas toujours. Quand vous faites l'amour, il n'y a pas Madame de Fontenay avec vous tout le temps. On a le chapeau, mais... Ouais. Elle inaugure des trucs chez vous, vous dites, tiens, c'est la nouvelle salle de bain, tout ça. Non. Vous mettez sa couronne juste pour déconner, des fois, non? Non, mais je l'ai vue, la couronne, elle est cool. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pense au mariage quand on sort avec Miss France? Ah, Jean. Jean. Non, non, vie privée, Thierry. Vie privée, Thierry. Ouais. J'ai jamais entendu ce mot-là. Bruno Gassio, rebonsoir. Antisocial, perte ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial. C'est bien, c'est votre jingle, ça. C'est pour vous. Ça sera bien, ça. Bon. Alors, vous le trouvez comment, Hollande? Décevant comme prévu? Pourquoi comme prévu? J'aime bien qu'on pense qu'un homme politique dit des choses et qu'il va les faire. Parce que si on pense tous que quoi qu'on dise, c'est faux, alors plus rien ne vaut le coup d'être tenté, même d'être imaginé. On ne peut plus rien faire. Il y a un an, vous disiez, si Hollande se plante, c'est la catastrophe. Oui, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors pour vous, il aurait dû rester fidèle aux promesses marxistes de sa campagne. Quelles promesses marxistes? Marxistes. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Il aurait pu dire, mon pire ennemi, c'est le Nutella. Ben non, ça ne l'était plus, il l'avait vaincu. Parce que ce combat-là aussi, il l'a perdu. Il l'avait gagné. Alors, vous qui avez été le boss des Guignols pendant de nombreuses années, quel conseil donneriez-vous au gouvernement? De regarder les Guignols, ils en parlent bien tous les soirs.
En tant que pro de la blague, sa vanne sur la baisse du chômage à la fin de l'année, vous la trouvez comment? Alors, quand on envoie une vanne, il faut faire gaffe au boomerang. Ouais. Quand on envoie une vanne, il faut qu'elle soit soit définitive, soit qu'elle soit en réaction à quelqu'un et qu'il ne puisse pas répondre. Ouais. Là, malheureusement, je pense que les faits... En tous les cas, Bruno, pas question de vous laisser abattre. Vous venez de créer un nouveau parti politique qui s'appelle Nouvelle Donne. Vous trouvez vraiment que la France manquait de partis politiques? Ah oui? Ah oui. Ah oui, il en manque un, en tout cas. Ah oui, celui-là. Ben oui. Ouais. Avec vous, il y a Pierre Laroux-Tourou, qui est un proche de Roca. Il a un nom imprononçable. Il faut lui dire de changer de nom à lui, parce qu'on n'y arrive pas. Laroux-Tourou. Il y a le philosophe Edgar Morin et l'urgentiste Patrick Peloux. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un urgentiste. La situation est grave, alors. Mais pas pour nous. C'est des urgentistes dans la politique. Écoute. Voilà un type qui voit les conséquences de la misère sociale tous les jours, notamment les suicides. Alors, l'objectif de votre parti, c'est de rendre le pouvoir aux citoyens. Mm-hmm. Les citoyens, c'est ceux qui regardent Nabila à la télé, par exemple. Il y a une reprise en main à faire, et cette reprise en main, elle ne peut être faite que par des citoyens. Parce que les politiques, pour l'instant, ceux qui sont en place, ne le font pas. Alors, vous savez, Bruno, qu'en tant que mec le plus connu du parti, au présidentiel, ça sera à vous de vous y coller. Vous serez peut-être le premier président à avoir fait le petit théâtre de Bouvard et vendu de la drogue. Ouais, mais la rédemption, c'est génial. C'est la rédemption. On a un pape extraordinaire en ce moment, donc non, tout va bien. Ouais. Alors, c'est quoi ce parti, alors? C'est un parti qui va s'occuper de cet espace qu'il y a entre le centre droit et l'extrême gauche. Voilà, on n'est pas communiste. Et le Parti socialiste, qui est parti dans le centre droit complet, ils y sont, et la droite qui dérive vers l'extrême droite, laisse un espace énorme de gens qui ont envie de réformer, mais qui n'ont pas envie de tout foutre en l'air. Voilà. Delphine, ça vous semble sympa comme parti, la Nouvelle Donne? Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Voilà. Hein? Dans l'insatisfaction que ressentent aujourd'hui beaucoup de gens qui ont voté pour nous le 6 mai 2012. Hey, tu vas recruter, tu vas voir. Voilà la personne la plus connue du parti. Ouais. Bienvenue, Delphine. Après, il faut apporter des solutions. C'est là qu'il y a... On a une vingtaine de propositions qui s'appuient sur celles du collectif Roosevelt, où il y en avait 15. Pour faire un parti, il faut trois trucs. Hein. Un programme, on en a un. Une structure, on vient de la faire, et il faut une légitimité, on ne l'a pas. On va aller la chercher dans des élections. On présentera 8 listes aux européennes, et on verra bien si les citoyens ont envie ou pas de ce qu'on leur propose. Je l'adore. Maintenant, il a une cravate et tout, il est homme politique. Je l'avais déjà, la cravate, t'es méchant. C'est vrai, je suis méchant. Alors, Bruno, vous êtes ici ce soir aussi pour un livre intitulé « Petit manuel de survie à l'intention d'un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche », publié chez Les Liens qui Libèrent. Pour vous, être de gauche et être socialiste, c'est devenu contradictoire. Ben oui, c'est plus du tout la même chose. Il gère l'économie de marché et, ce qui ne serait pas si grave, mais il gère aujourd'hui le néolibéralisme. Ouais. C'est Mitterrand qui a commencé en 83, quand le même, 23 avec le tournant mars de la rigueur. Hein. Ouais. Alors vous dites, le PS est devenu une immense fabrique d'avaleurs de couleuvres et de mangeurs de chapeaux, un appendice du système dominant. À la marge, ils font des choses, le mariage pour tous, très bien, la prostitution, tout ça. Il y a plein de choses très positives, il y a des petites choses, mais ils ne sont pas sur la bonne route. Et ça ne sert à rien de ralentir, on n'ira jamais que moins vite au mauvais endroit. Donc il faut faire demi-tour et changer, se remettre pour la route. Ceci étant, avec l'Europe, c'est difficile d'inventer des nouvelles routes parce que... Oui, mais quand on a... Comme le disait François Hollande dans sa campagne, je renégocierai un traité. Quand il arrive et qu'il ne renégocie pas le traité, mais qu'il dit oh, on va en faire un petit à côté avec de la croissance dont tout le monde se fout, ça ne fonctionne pas. S'il arrive et qu'il dit on renégocie ou je fais tout péter, il a le droit de créer une crise. Ouais. Il a les moyens, il a la légitimité populaire pour créer une crise. Mais je crois que aussi la politique se nourrit de moments de rupture. C'était l'occasion d'en faire un. Il ne l'a pas fait. Eh ben, en ratant cette marche-là, plus la marche de la finance, il va patiner pendant encore 3 ans. Et Bruno, à part la Révolution mondiale, c'est quoi votre actu? Je m'occupe toujours de fiction à Canal+, on a des choses très bien, la saison 3 de Hard, qui est en route. Voilà. Non, il y a plein de choses, je travaille aussi entre-temps. Alors, Bruno, quand on veut faire de la politique, il faut être moral. On va faire une interview moralité. Oh non. Avez-vous déjà piqué dans le porte-monnaie de votre maman? Oui. Vous gagnez au loto, le billet ne vous appartient pas. Est-ce que vous le rendez, Bruno? Non. Êtes-vous déjà sorti avec la copine d'un copain? Non. Et le copain d'une copine? Oui. Ben, on peut aller boire des coups avec le copain d'une copine. Ah, non, d'accord, oui. Ouais. Vous trouvez un porte-monnaie dans la rue, il y a du fric dedans, vous le rendez? Bah, à qui?
Est-ce que vous fouillez dans le sac de votre femme? Oh, jamais. Jamais. La banque s'est trompée. Et vous avez versé 100 000 euros sur votre compte. De trop. Je les sors immédiatement, je les mets sur un autre compte, puis je dis à la banque, vous vous êtes trompé, je vous rembourserai en 20 ans. Wow! Un mec vous a doublé. Et il est en panne au bord de la route, 30 km plus loin. Vous vous arrêtez? Ça, c'est une saleté de question, ça. Je sais pas. Ça dépend comment il m'a doublé, s'il a été... Si c'est une fille, vous arrêtez? Non, mais c'est pas rien à voir avec ça. Non, non, je m'arrête pas en général. J'arrêtez pas, non. Vous préférez dîner avec un brillant salaud ou un gentil imbécile? Un brillant salaud. Eh oui. Vous faites la une des médias pour avoir sauvé une petite fille d'un incendie. En fait, le héros, c'est pas vous. Il est mort, le héros. Vous faites quoi? Bah, je dis que le héros est mort. Ah, ouais. Vous trouvez un nourrisson abandonné sur votre paillasson. Vous en faites quoi? C'est quoi le monde dans lequel tu vis, toi? C'est quoi? Il se passe plein de trucs dans le monde. Le nourrisson, c'est vous ou l'orphelinat. Hein. Ah non, mais c'est moi direct. Évidemment. Ah, vous gardez le petit? Bah, je l'adopte. Si vous avez des enfants dont vous ne savez pas quoi faire. Bah, j'adopte un enfant, bah oui, non. Antisocial, peut-être sans froid. Delphine Bateau, rebonsoir. Donc Delphine, vous avez été virée du gouvernement en juillet dernier et vous n'êtes pas ici ce soir pour un livre intitulé « La déçue de la République ». Non, j'avais pas envie de faire ça, ouais. Justement. Et puis moi, je suis une combattante, donc je regarde devant, ouais. J'avance, même si ce qui s'est passé est important. Ouais. Je le regrette pas, d'ailleurs. En même temps, c'est une chance que vous étiez virée en juillet parce que les autres, ils étaient obligés d'être en vacances à 2 heures de Paris. Et c'est vrai, quand vous avez été viré, il y avait tous vos collègues du gouvernement qui vous regardaient comme ça en disant « Emmène-moi avec toi ». On regarde la photo, c'était... Presque. Vous êtes très pimpante sur cette photo. C'est le jour du départ? Ouais, c'est ouais. Le jour du départ. Classe, mais vous hein. Courez? Bah, elle court, elle se casse au courant. Et les gens chantaient. Tu es le plus beau des bateaux. Alors, ce qui est quand même rageant, à mon sens, hein, c'est que vous ayez été viré et qu'Amina Benguigui soit toujours là. Ça, franchement, je ne comprends pas pourquoi. Alors, vous avez protesté contre la baisse du budget de votre ministère. En fait, Hollande voulait une ministre de l'écologie qui soit contente de la baisse du budget de son ministère, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Vous avez été courageuse parce que Hérault vous a convoqué et vous a dit « si tu retires ce que tu as dit, il n'y a pas de problème ». C'était pas seulement de retirer, c'était de démentir. C'est-à-dire, c'était de dire que je l'avais pas dit. Ah ouais, c'est bien. Ça, ah oui, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la question du budget, c'est la question des moyens concrets de mener une politique. Moi, je pense que la question écologique, elle n'est pas un sujet parmi ouais. d'autres. Que ça doit être quelque chose de fondamental sur ce qu'on a à faire dans ce quinquennat. Il y croit, Hollande, à l'écologie. Moi, j'ai l'impression que pour lui, le ministre de l'écologie, c'est celui qui éteint les lumières à la fin du Conseil des ministres. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne que la France, aujourd'hui, a besoin d'une politique de relance et que c'est sur cette question-là qu'on peut créer des emplois, ah oui. qu'on peut moderniser l'industrie, qu'on peut changer un certain nombre de choses dans la vie quotidienne qui représenteraient des progrès de société. Donc, voilà, c'est d'être en quelque sorte keynésien en s'emparant de cette question de l'écologie pour, en même temps, apporter des réponses à la situation oui, économique. Et sociale. Moi, je ne crois pas que la croissance va revenir toute seule. Je pense que c'est ça le problème de la gauche aujourd'hui, ouais. c'est que les Français savent que la crise, c'est un état durable, en fait. Ce n'est ouais. plus juste un mauvais moment à passer. Et donc, si on ne fabrique pas nous-mêmes notre propre croissance avec un nouveau modèle économique, je pense qu'on aura beaucoup de mal et à inverser la courbe du chômage. C'est pas mal. Hein. Elle dit, en fait, il faut une nouvelle donne. Oh. Exagère. Ah là là, l'homme politique. Alors, ministère de l'écologie, vous avez été remplacé comme ministre par... Philippe Martin. Vous avez été remplacé, donc. Oui. Philippe Martin. Il est bien? Oui, il est bien. Il est gentil, en tous les cas. Il fait ce qu'on lui dit. Il est bien, mais moi, c'est pas un problème de personne. Ouais. Oui, c'est un problème de politique, on a compris. C'est... Ouais. Alors, depuis que vous avez été viré, vous êtes super énervé. Hein. Il paraît que vous roulez en 4x4, que vous mangez du dauphin. Non, mais franchement, c'est pas la peine de se venger sur ces pauvres dauphins. Elle fait des steaks de dauphin. C'est bon, le dauphin. C'est bon, le dauphin. Non, c'est un grand regret. Si on peut tremper dans une tortue, de ma vie, jusqu'ici, bon. J'ai jamais vu un dauphin en vrai. Ah bon? Voilà, donc c'est un truc que je dois faire. Ouais. Dans tous les cas, bravo. Je bah, merci. Vous étiez courageuse. Bravo. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko.
Et c'est Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, on parle du pape François, élu personnalité de l'année 2013 par Time Magazine. Et on se demande, et si on avait un pape vraiment chrétien ? Avec François, l'Église catholique est-elle enfin dirigée par un pape vraiment chrétien ? C'est bien connu, l'habit ne fait pas le moine. N'empêche, le nouveau pape a renoncé à la croix en or, au mule en cuir rouge, à la cape en velours que portait Benoît XVI. Il a aussi laissé tomber les grosses berlines allemandes pour une voiture plus modeste. Ce style nouveau, c'est le symbole de sa priorité. L'Église doit être du côté des pauvres. Dans ses homélies, il dénonce la tyrannie des marchés, le fétichisme de l'argent, et il affirme prier tous les jours pour que les chefs d'État se soucient vraiment des pauvres. Pour montrer l'exemple, il s'est même rendu à Lampedusa pour encourager l'Europe à accueillir les immigrés plutôt que de les laisser se noyer. Si cette manière d'être séduit les profanes, elle n'est pas forcément du goût de tout le monde. Alors qu'en France, 79% des catholiques ont voté Sarkozy, le pape François, lui, déclare qu'il n'a jamais été de droite. Un coup de main de prolétaire, curé ! Alors qu'en France, de nombreux catholiques ont manifesté contre le mariage gay, François affirme que l'Église aurait tort de se focaliser uniquement sur les questions de l'avortement, du mariage homosexuel ou de la contraception. François est bien sûr contre l'avortement, mais il veut surtout être fidèle au message des évangiles, aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Benoît XVI était obsédé par l'idée de se réconcilier avec les intégristes pour les ramener dans le rang. François, au contraire, affirme qu'un religieux qui est convaincu d'avoir toujours raison n'est qu'un faux prophète qui utilise la religion à son profit. Mais ce n'est pas tout. François a aussi prévu de réformer le fonctionnement hyper centralisé de l'Église catholique en demandant désormais l'avis des évêques du monde entier pour toutes les décisions importantes. À force de vouloir tout changer, François risque de se faire beaucoup d'ennemis au sein même de l'Église. Pourtant, être près des pauvres, comme Jésus, prêcher l'amour, comme Jésus, c'est la moindre des choses quand on est pape. Sauf qu'à la fin, Jésus a été assassiné. Alors ce serait dommage qu'à force de vouloir tout faire comme Jésus, il arrive la même chose à François. C'était l'édito de Blacco, mise en image de Julien Grappe. Caroline Pigozzi, bonsoir. Vous êtes grand reporter à Paris Match, spécialiste des religions sur Europe 1. Vous venez de publier avec Henri Madelin chez Plomb un livre qui s'appelle « Ainsi fait-il ». Bienvenue parmi nous. Alors, Caroline Pigozzi, donc vous racontez dans votre livre comment, dès le départ, le pape François a voulu bousculer les codes. Dès les premiers instants, il s'assoit au milieu des cardinaux et pas sur la chaise papale. Sa première messe, il ne l'a fait pas au Vatican, il l'a fait à Sainte-Anna. Il ne vit pas au Vatican, il vit à Santa Marta. Il a de l'humour. Quand il a été nommé, il a dit « J'aurais pu m'appeler Clément XV pour nous venger de Clément XIV qui a supprimé la compagnie de Jésus. » Donc, il fait des vannes. Enfin, c'est des vannes de pape, hein, mais... C'est pas... Non, mais c'est une vanne quand même. Mais bon. Ça a plus de chic. C'est une vanne de pape. Bah, oui. Qu'est-ce que t'as fait, une vanne de pape ? En plus de ça, il n'est pas mondain. Il y avait un concert de musique classique pour l'année de la foi. Il a posé un lapin, il n'y est pas allé, il n'en a rien à foutre. Enfin, il veut être le pape de l'ère démocratique, c'est ça, non ? Exactement, bah, oui. Et alors, il a une chose, avant d'être pape, il s'habillait comme vous. Les papes s'habillent comme moi. Voilà. Il est assez formidable. Bah, oui. Même Gassio le trouve sympa. C'est un peu inquiétant pour deux choses. D'abord, la dernière fois qu'un pape s'en est pris à la politique, oui, il a fait tomber le communisme. Donc celui-là, comme il aime les pauvres et qu'il est contre les marchés, va peut-être faire tomber le libéralisme. L'autre mauvaise nouvelle, oui, c'est que celui qui s'appelait Jean-Paul Ier, lui, il a fait un mois. Ah ben, oui, 33 jours, il a déjà dépassé. Ils lui ont donné une tisane à Jean-Paul. Oui, une mauvaise tisane. Ouais. C'est un mec qui est arrivé qui a dit « je vais donner le Vatican aux pauvres », les autres se sont dit. Ben oui, ben oui, oui. Mais ce pape-là, il est assez malin parce qu'il ne déjeune et il ne dîne jamais seul. Parce que, comme vous pouvez deviner, c'est plus difficile d'empoisonner cette personne qu'une seule. Et alors, en plus, il va au self. Le pape va au self. De Santa Marta, oui. Maman, il piace, questo pape. Hein. Tu sais ce qu'il a fait, le pape il est retourné à Santa Marta, parce que pendant le conclave, ils habitent tous à Santa Marta. Il est retourné en bus. Non, alors qu'il avait une caisse sublime. C'est un mec génial. Moi, je connais son mec. Arrête tes conneries. Arrête. Non, mais il est extraordinaire, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ça,
Parce que être chrétien, c'est d'abord être près des pauvres et de ceux qui souffrent. Jésus aimez-vous les uns les autres, c'est ça. C'est la base. Caroline, non sérieusement, vous pensez qu'il a peur de se faire. Non, je pense qu'il n'a pas peur parce qu'il est fataliste, mais je pense que son entourage a peur. Ah, que ouais. Les gens qui sont autour de lui sont quand même. Mais oui, parce qu'il est provocateur, il bouscule l'Église. Il dit des choses très désagréables quand il dit aux évêques que sont les évêques d'aéroport, aux bonnes sœurs qu'elles ont des mines de piment au vinaigre. Enfin, il dit des choses comme mais ça. C'est drôle. Non, mais attendez, la vérité quand même, c'est que le procureur adjoint de la région Calabre a dit que le pape était dans le viseur de la mafia calabraise. Oui, j'ai lu dans votre bouquin. Oui, mais alors déjà, quand on le dit, c'est moins dangereux. Parce que si ouais. on le dit, bon. Ouais. Mais... oui, c'est sûr qu'il dénonce beaucoup de choses. À force de dénoncer, on se fait un ennemi par semaine. Bah, oui. Alors, comme il y a 52 semaines, ça se fait au moins 52 ennemis importants. Alors, vous le trouvez comment, franchement? Moi, je pense que c'est très important, ce qui est en train de se passer. Même au Vatican, on veut du changement. Je pense que c'est assez, c'est assez positif, en fait. Nouvelle donne au Vatican. Non, mais voyez, par exemple, non, mais sur l'avortement, la contraception, l'homosexualité, il ne va pas être pour. On ne peut pas demander au pape d'être pour. Mais il n'est pas obsédé par ça. Il aime les gens. Il sait très bien que quand on se fait avorter, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je veux dire, bon, voilà. Il a été dans la vie. C'est un pape qui n'a pas été dans la naphtaline, qui est beaucoup plus intellectuel qu'on croit malgré tout, parce que les jésuites, ils font entre 11 et 13 ans d'études. Mais il a été dans la vie sur le terrain. C'est un pape de terrain. C'est comme le journaliste qui reste dans son bureau et qui écrit du jus de crâne et le journaliste qui fait du terrain. En parlant de terrain, Caroline, c'était en Argentine. Oui, vous avez rencontré tous les gens qu'il connaissait. Ouais. D'où il venait, où il était, où il vivait, qui voyait. Ça me semblait impossible. Vu d'Europe, quand il a dit « je suis un pape venu presque du bout du monde », je me suis dit « c'est pas possible de rester en Europe ». Très copain avec le grand rabbin de Buenos Aires. Hein. Très, avec très pote. Abraham Skorka, ils sont très amis. Voilà. Et alors, c'est donc, en plus, aussi, le pape important. Est gentil parce que quand il va le voir, c'est le pape qui mange cachère. Ah oui, ah, c'est bien. Hey, putain, il est top, le mec. Il mange même des cookies cachères. Je n'ai pas compris ce que c'était, mais il m'a dit qu'il lui offrait des cookies cachères. Il n'y a pas de porc dedans. Comment tu le trouves, alors? Je trouve qu'il est, il est proche des textes, les premiers, quoi. Avant que la religion soit récupérée par des textes et des gens, quand on regarde les paroles de Jésus ou du Bouddha, il est proche de ça, quoi. Enfin... Ouais. C'est-à-dire aider son prochain, aimer son prochain, être près des pauvres. Et ne pas juger, parce que souvent les gens... Bah oui. Et comme ils ne jugent pas, du coup, les gens au Vatican sont beaucoup plus souriants. Il n'y a pas cette espèce de pesanteur. Comme ça, on ne se sent pas pris à la gorge dès qu'on est un peu de travers. Quoi. Jean, comment tu le trouves, alors? Il est top, mais moi je suis inquiet au niveau du sel, j'ai pas envie qu'il se fasse empoisonner. Je crois que je vais proposer mes services de cuisine. Après Robert De Niro, le pape François. Non, mais il trouve pas le pape. Le jour où il fera la bouffe du pape François, mon pote. Bah, les cookies. C'est que je dois faire une bouteille de Châteauneuf du pape. Personne n'avait eu l'idée avant. Est-ce que vous pensez que ça peut remplir les églises à nouveau? Oui. Oui. Oui, je pense. Parce que les jeunes sont intéressés, parce que quand on va à Place Saint-Pierre, c'est impressionnant. Il y a du monde jusqu'à la Via della Conciliazione, parce que les gens sont décomplexés par ce pape. Il y a un scoop, c'est qu'il sortirait la nuit dans Rome. J'y crois pas, moi. Comme dans les souliers de Saint-Pierre ou Habemus Papam. Mais c'est trop romanesque, c'est trop joli pour être vrai. C'est extrêmement compliqué parce que la sécurité, la gendarmerie vaticane, Domenico Gianni, est mort de peur, donc il ne le poussera pas. Et le pape est gentil, c'est-à-dire ce qu'il faisait avant quand il était cardinal, il allait où il voulait. Il ne veut pas mettre les autres en difficulté. Vous imaginez? Si la mafia calabraise le kidnappe et demande une rançon, vous imaginez le coup? Non, mais c'est pour ça qu'il ne veut pas mettre les autres en difficulté. Il en rêverait, bien sûr. Un euro par chrétien. Comment? Un euro par chrétien. Tu te fais de la thune, mon pote. Ah, c'est bon. C'est mieux qu'un euro par socialiste. Bon, alors, donc vous y croyez pas, donc il va se balader la nuit dans Rome. J'y crois pas. J'adorerais que ça soit vrai, parce qu'en étant journaliste, c'est du caviar pour un journaliste. Je me mettrais dans une trattoria et j'attendrais de le voir arriver, je lui proposerais un café. Mais je n'y crois pas, malheureusement. Alors, deuxième scoop, il a été videur de boîtes de nuit à Cordoba pendant ses études de chimie. Puis une boîte de nuit pourrie, en plus. C'est lui qui l'a dit, je crois que ça, c'est tout à fait possible. Oui. Ouais. Oui. Ça, un pape qui était videur de boîte de nuit, excuse-moi, ça me rend encore plus sympathique. Je peux faire de la politique en ayant vendu de la drogue. Hein, pas de problème, vraiment, il n'a rien. Un tout petit peu, c'était de merde. Delphine, ça signifie quoi pour vous aujourd'hui, la religion catholique? Je suis athée. Mais en même temps, pour moi, la laïcité, c'est le respect de toutes les croyances. J'aime pas trop quand les religions veulent se mêler de la vie politique. Oui. En France, depuis la séparation de l'Église et de l'État, vous êtes tranquille là-dessus quand même, non? On n'est pas toujours tranquille.
Non, on l'a vu dernièrement. Ah, c'est, pas, c'est pas l'Égypte, hein, quand même. Oui. Non, évidemment, mais faut être vigilant. Et je pense qu'il faut comprendre voilà, que la laïcité, c'est quelque chose qui protège à la fois le fait de ne pas croire, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, le fait de croire. Et que, voilà, les choses sont séparées. Je pense que c'est bien comme ça. Alors Bruno, vous savez qu'on peut être chrétien sans croire en Dieu, parce que le message du Christ, il marche même si on ne croit pas en Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Mais Dieu est une hypothèse. Oui. C'est tout. Après, le comportement, lui, il est factuel. Voilà. Si le comportement que l'on a est tourné vers les autres, sans trop faire de mal, on se débrouille comme on peut, c'est pas toujours simple, mais si on est ouvert aux autres, si on est tolérant, et qu'on appelle ça chrétien, musulman, juif, bouddhiste, peu importe, moi, ça me va. Quand c'est des dogmes comme ça, très durs, ça fait plus de mal que de bien. Donc, je suis pas d'accord. Donc, vous croyez pas en Dieu, mais vous appréciez ce pape. Le seul point de désaccord avec le pape, c'est ça, pour l'instant. C'est que moi, je crois pas en Dieu. C'est que Dieu n'existe pas. C'est un léger point d'achoppement. Comment vous le savez? C'est lui qui me l'a dit. Ah. Mais c'est même pas une blague, c'est une pensée juive. Les juifs disent la vérité ne peut pas être dite à l'homme, il ne peut pas l'entendre, parce que la vérité, c'est que Dieu n'existe pas. Après, ce qui doit peut-être préoccuper les responsables politiques, c'est quand les gens vont chercher dans la religion l'espérance que la politique n'arrive pas... Que François Hollande n'arrive plus à leur donner. Vous savez ce qu'on dit au Vatican? Quelle est la similitude entre le pape François et François Hollande? Ils s'appellent François, ils ne sont pas mariés et ils croient tous les deux au miracle. Alors, c'est le mot de la fin. Parfait. J'achète. Merci, Caroline. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Corentin de Châtel-Théron. Bonsoir. Alors, Corentin, à 25 ans, alors que vos connaissances en navigation se limitent à quelques ronds dans l'eau en optimiste, vous décidez de naviguer du Bangladesh à La Ciotat, à bord d'un bateau que vous avez fabriqué vous-même avec de la toile de jute. Alors au départ, tout le monde nous a pris pour un fou. Désormais, le monde de la mer vous appelle le Petit Prince. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Copains de la Saint-Sylvestre, couillons du réveillon, bonsoir. Bienvenue dans cette chronique transitoire entre deux agapes qui sans doute vont vous mettre le foie dans un tel état que si on commercialisait du foie gras d'homme, eh bien ce serait la bonne période pour vous abattre. Par chance, nous habitons dans un pays aux normes sanitaires très strictes, où les religions s'accordent à dire que l'homme est trop sale pour être halal. Trêve d'accent pourri qui n'apporte rien d'autre que juste vous dire que je parle aussi des langues tribales. Ah, qu'il fait bon d'être né au-dessus de la Loire. Cette année, donc, c'est restrictions à tous les étages. Moi, j'ai... Avec des proches, on est allé au resto du cœur. Bon, après, Ducasse, puisqu'on voulait atterrir tranquillement quand même. Non, on a fait une action de sensibilisation au bon goût des gens un peu des gens un peu plus... moins équipés financièrement. Alors, on a fait un test. Alors, dans la soupe moulinée qu'ils servent, on a fait deux groupes. À un groupe, on a servi de la vraie truffe et à un autre, un placebo, c'est-à-dire des petits bouts de pneus crevés. Eh ben, crois-le ou pas, les clients réclamaient le placebo. Parce qu'ils disaient... ça leur rappelait vachement plus le terroir. Bref, pour ce trou normand, entre deux remontées acides, j'aimerais... Vous rappelez que vous avez peut-être déjà oublié des choses qui sont passées en 2013. Une année précaire. Normal, 64 millions de personnes sur un pédalo motorisé par les mollets de René Coty. Bon, c'est plus de la navigation, c'est une exploration des abysses. Une année écoulée, ce sont des événements et des hommes. Il y a des hommes qui font des événements, il y a des événements qui font les hommes. Puis il y a François Hollande qui fait « Ah bon ?» C'est évidemment l'homme incontournable cette année. On ne peut pas, il n'y a pas de godille possible. Souvenez-vous, déjà, ça a commencé général en chef au Mali. Il pète une durite, il envahit le Mali. Et il a appelé l'opération militaire l'opération Serval. Alors, le Serval, je rappelle, c'est un petit félin qui a la particularité de pisser 30 fois en une heure pour marquer son territoire. Ah, ben voilà.
Comme quoi, être intronisé sous la pluie, ça marque un... ça donne un style, quoi. Alors bon, la guerre, on l'a gagnée. Bon, c'était un peu prévisible. On n'allait pas se faire démonter par des mecs qui savent pas faire une carte UNICEF, quoi. Autre sujet, le mariage pour tous. Quelle polémique. Quelle polémique, je me souviens de cette blague d'un député qui faisait les marchés le dimanche, qui disait, mais vous savez, le chômage, nous on lutte. Et les gens qui disaient, occupe-toi plutôt du mariage gay, quoi. Je veux dire... Et moi, en tout cas, à l'époque, j'étais extrêmement choqué par certains slogans, vraiment nauséabonds. Il y en avait un terrible, c'était « Zéro maman, c'est déprimant ». On voit qu'ils ne connaissent pas ma mère. Hein. Je veux dire, ma mère, en termes d'optimisme, Houellebecq, c'est un géo du Club Med. Tu vois. Ah oui. Ouais. Paria de l'année 2013, Jérôme Cahuzac. Cahuzac qui était décrit comme l'un des meilleurs du gouvernement, mais il mentait, he was a liar, you know, et... Cahuzac a laissé une lettre dans laquelle il s'est dit dévasté par le remords. Dévasté. Bah, c'est sûr, hein. S'il avait placé un peu plus de fric en Suisse, on n'aurait peut-être pas eu besoin de revenir en France. Ça aurait été... Fashion victime de l'année, Clément Méric, militant d'extrême gauche, anticapitaliste qui meurt au cours d'une vente privée. Pourquoi pas un négationniste qui décède dans une chambre à gaz. Femme de l'année, Taubira. Quand même, on se rattrape. Taubira qui a déclaré que la prison forme la délinquance. C'est vrai. En gros, pour paraphraser Rousseau, tous les délinquants naissent bons, c'est la prison qui les rend mauvais. Non mais, c'est vrai que la prison, c'est peut-être pas la solution idéale pour un délinquant. En revanche, pour le voisinage. Mais bon, c'est l'enjeu. Gaspard. Le groupe de l'année, n'en déplaise à Laurent Voulzy, les To Be Free étant dissous, les Spice Girls à la retraite, cette année, c'est le groupe Les Roms qui ont fait le buzz. Ouais. Dans la section au cuivre, ils sont imbattables. Et non, on en a beaucoup parlé, les Roms. Et c'est vrai que toutes ces polémiques, à un moment, on se pose une question. Pourquoi est-ce qu'on les stigmatise tellement? Parce que ça fait du bien. C'est tout. Prostitution, autre sujet majeur. Alors, il y a une loi qui a été votée, donc maintenant, les clients seront désormais pénalisés de 1 500 euros ou du double s'ils récidivent. Eh ben oui, oui. Quand on pense qu'une pipe coûte 20 euros, là, il sera à 1 520 euros. C'est-à-dire, la fille, elle va se donner, hein, tu vois. Ah. Pin-up de l'année. Kennedy avait Marilyn, Hollande à Leonarda. Ouais. Le routard de l'année, les otages, ah oui. Oui, bah, qui sont rentrés et qui... Ils ont eu de la chance dans leur malheur. Vu le niveau des impôts, pour eux, fiscalement, c'était une année blanche. Ah oui. Pour eux. Hein? Destination touristique de l'année, Lampedusa. Ah oui. Petite île des côtes italiennes. Cette Corse qui ne dit pas son nom. Bah, une île tellement attractive que les touristes sont prêts à venir à la nage. Bonne nouvelle, alors faut quand même donner de l'espoir, l'année est finie. La mauvaise, c'est que vu ce qui nous attend, vous risquez de la regretter l'année 2013. Alors, ma belle la vie. C'était Gaspard Bouch. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur canalplus.fr. Terrien. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre Terrien du samedi 20h. Corentin Rebonsoir, vous êtes né à Vannes, dans le Morbihan. Le 14 mai 1983, père notaire, mère conseillère conjugale. Votre famille habite à Musillac, un petit village de la côte bretonne. Oui. Et vous, vous construisez des cabanes dans les forêts, des radeaux pour naviguer sur les rivières. Enfance sympa. Oui, en pleine campagne. Vous faites également des stages d'optimiste. Mais ça ne vous plaît pas, l'optimiste? Les stages d'optimiste, c'est un tiers du temps pour mettre le matos, ouais, dans l'eau, un tiers du temps, tu te fais engueuler par le mono, et un autre tiers du temps, il faut ranger le matos. Ouais. Ça fait trois tiers. Ouais. Ça dépend de la grosseur des tiers en même temps. Alors justement, le virus de l'aventure, vous l'attrapez à l'âge de 10 ans,
Vous partez passer vos vacances scolaires chez un oncle qui habite en Guinée-Conakry. Et là, vous passez vos journées avec les gamins des rues, vous jouez sur une déchetterie, vous récupérez tout ce qui traîne pour fabriquer des jouets, des petites voitures. C'est la découverte, là. Ben, ce qui est génial d'arriver dans un pays comme ça, qui est aussi différent quand on est gamin, c'est qu'on n'arrive pas comme un touriste. Et directement, les gamins, ce qu'ils vous font, ça vous dit d'aller jouer à la décharge ? Ouais. Bah ouais, carrément. Ouais. Et du coup, on a fait des espèces de camions avec des bouts de tongs, des bouts de branchage et des boîtes de conserve. Oui, c'est de là que date votre goût de la récupération et du recyclage. J'ai jamais arrêté de récupérer, ouais. Alors, pendant vos années d'étudiant, votre seule obsession, c'est de voyager. Vous allez deux fois en Inde avec une ONG, au Paraguay, en Uruguay, en Argentine, en Éthiopie. Et un jour, un ami vous envoie une annonce. Yves Marre, aventurier français, cherche un volontaire pour monter un chantier naval au Bangladesh. Nourri logé. Vous partez. Et sur le moment, ça m'a paru super excitant. Vous aviez quel âge ? 24 ans. Vos parents, ils disent quoi ? Ils étaient contents de me voir partir. Ouais. Alors là-bas, au Bangladesh, vous vivez dans ce qu'on appelle la sobriété heureuse, 1 € par jour. Et j'en suis arrivé à vivre très simplement avec, en gros, du matériel de camping et quand même un ordinateur relié à Internet. Voilà. Et là, j'avais tout ce qui me semblait bon. Alors, les bateaux que fabrique Yves Marre sont en fibre de verre et en résine. Alors, le problème de la fibre de verre, c'est que d'abord, c'est pas écolo. Ensuite, c'est cher, c'est pas produit au Bangladesh. Et là, vous avez l'idée d'utiliser la principale production du Bangladesh, la toile de jute. Il faut savoir qu'au Bangladesh, c'est des sacs de patates, hein, la toile de jute. Ça, c'est la production nationale et qu'il y a même, au Bangladesh, un ministre du jute. Vous mélangez donc de la résine et de la toile de jute. Vous envoyez un échantillon à un chercheur en France qui vous dit c'est bien. Ouais, il dit c'est pas mal. Il faut continuer les recherches. Ouais. Vous construisez un bateau, donc, avec la récup dans les chantiers navals. Ouais, à Chittagong, dans le sud du pays. C'est là que viennent finir leur vie pas mal de cargos. Et donc, ils arrivent à fond, à pleine balle sur la plage. Ils tankent le cargo sur la plage. Et donc, il y a des gars qui arrivent et qui creusent une espèce de petite porte tout en bas du cargo. Ils rentrent dedans, ils démontent tout. Et j'ai pu récupérer pas mal de choses pour équiper le bateau, ouais. Vous achetez un moteur chinois de 8 chevaux. Ouais, c'est le moteur qu'ils utilisent là-bas, ça se démarre à la manivelle. Ouais. Enfin, finalement, pour 7 000 €, vous faites votre bateau, quoi. Bateau, ouais. Alors, reste un détail à régler, apprendre la navigation. J'ai fini par ça. Quand même. Non, mais en fait, je connaissais la théorie. Ouais. Et ensuite, Yves m'avait expliqué comment est-ce qu'on mettait un point sur une carte, comment est-ce qu'on lisait une carte, la longitude, la latitude, enfin, ces trucs-là. Voilà, tout ça. Et ensuite, j'avais un peu réfléchi à tous les problèmes qui pouvaient m'arriver. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si le bateau se retourne, si je suis pris dans une tempête, si j'ai plus d'eau, si j'ai plus de nourriture, si je tombe du bateau, etc. Et j'avais une réponse à peu près à chaque problème. Et le 13 février 2010, vous partez du Bangladesh, direction La Ciotat, dans votre coque de noix. Alors avec des faux papiers d'immatriculation, hein. Vous n'avez pas non plus d'autorisation. Ben non. Alors du coup, quand on part pas avec des vrais papiers, enfin quand on fait des faux papiers sur Photoshop, on est obligé de partir sans rien dire à personne. Voilà. Alors quelques heures après le départ, dans le delta du Gange, il y a un premier coup de vent. Et là, le bateau est carrément couché. Hein. Là, c'est... Ben, y a une grosse barre de nuages qui arrivait du large, comme ça, mais qui arrivait super vite. Et moi, rien n'était prêt, je venais de partir. Et surtout que je comptais bien apprendre à naviguer les premiers jours. Ouais. Et théoriquement, ça se passait bien ces jours-là à la météo. Et en fait, la barre est passée et ça a vraiment couché le bateau d'un coup et tout était en vrac à l'intérieur. Je me suis retrouvé trempé et avec un espèce de petit doute qui naissait. Est-ce que ça va le faire ? Alors, un mois plus tard, vous pénétrez dans le port de Gaul, pointe sud du Sri Lanka. Comme vous n'avez pas de document de sortie de votre port d'origine, c'est ce qu'on appelle le port of clearance, vous êtes bloqué. Ouais, au final, j'ai payé, je n'ai jamais su si c'était un bakchich ou une amende, mais on a réussi à s'arranger. Ils ont vu que je n'étais pas vraiment un trafiquant de drogue. Non. Donc ça a été. Alors, au Sri Lanka, votre frère vous apporte un radeau de survie, parce que quand vous dites « je suis parti en vérifiant tout », vous n'aviez quand même pas de radeau de survie, quoi. C'est-à-dire, si le bateau coulait, vous faisiez quoi ? Il restait quelques incertitudes. Voilà, c'est le moins qu'on puisse en dire. Bon, ensuite, vous quittez le Sri Lanka pour Oman. Alors là, c'est donc la presqu'île arabique. Un mois au milieu de l'océan,
avec 5000 mètres de fond en dessous, quand on se baigne, c'est flippant, non? Ouais, ouais, surtout qu'il y a des requins dans le coin. Ah ouais, ouais. Et il fallait que je nettoie la coque une fois par semaine. Et ouais, au début, ça fait un peu des frissons dans le dos. Ouais. Alors, vous mangez des nouilles chinoises avec des champignons déshydratés, des boulettes de soja, des épices. Beaucoup d'épices, hein. Donc vous faites toujours la même chose, mais en changeant les épices, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un bon conseil que je peux te donner. Tu devrais faire ça. Le même plat. Alors, en revanche, la pêche, vous n'y arrivez pas du tout. Hein. Non, étonnamment. Vous avez trois poissons. Ben ouais. Comment un ça peu se fait honteux là-dessus, bah, problème de matos. Hein. Ouais. Je crois qu'il n'y a que ça. Alors, à l'approche de la Somalie, évidemment, là-bas, il y a les pirates. Hein. Alors, vous n'avez pas d'armes, en fait. Vous vous dites, les pirates, ils vont venir sur le bateau pour regarder, manger et tout. Donc, j'ai des somnifères. C'est vraiment... Je vais mettre des somnifères dans la bouffe pour endormir les pirates. C'est Tintin, hein, là, excusez-moi. Mais... excusez-moi. C'est quand même Mais... Tintin, ouais. Capitaine Milou veut nous dire quelque chose. C'est ça. Non, mais j'avais pas mal étudié les attaques de pirates et effectivement, ils mangent et ils boivent à bord. Donc je me disais, bah, plutôt que de prendre une arme, endormir les pirates et les ligoter sur le mât. Ouais. Ça paraissait plausible, mais sur place, c'était beaucoup moins fun. Et puis d'un coup, il y a des hélicoptères de militaires hollandais qui arrivent. En fait, ils font partie d'une mission européenne contre la piraterie. Ils vous disent, faites demi-tour. Je pouvais pas faire demi-tour parce que le vent allait dans tel sens et voilà, c'était impossible. Et puis ça faisait trois semaines déjà que je naviguais, que j'avais pas vu un bateau. Vous tapez le voyage dans l'autre sens, oui. Alors, ils vous disent quand même, écoutez, faites attention, surveillez l'horizon et baissez les voiles si vous voyez un autre bateau. Et donc vous passez une semaine à scruter l'horizon comme ça, et à la fin vous avez les yeux complètement brûlés, évidemment. Ouais. Sale semaine. Ouais. Vous dites, je traversais le territoire des pirates à la vitesse d'une trottinette. Mais sur les 6 mois, la moyenne de vitesse, c'était ça, ouais. 7 km/h, je crois. Alors ensuite, votre frère vous rejoint à nouveau pour traverser la mer Rouge. Alors là, il vous apporte rien, parce qu'il est encore plus mauvais que vous en navigation, votre frère. Hein. pas terrible. Un peu de recettes de cuisine. Ouais. Et là, il y a des grosses, grosses vagues. Hein. Vous testez la résistance de votre invention. Et un petit bateau comme ça, c'est dans des creux de 3 mètres, c'est assez impressionnant. Ouais. Alors ensuite, bah, c'est le canal de Suez. Alors, le canal de Suez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pouvoir faire marche arrière. Donc, votre bateau, il n'a pas de marche arrière. Donc, vous bricolez un truc, vous êtes vraiment bon, pour que le bateau puisse faire marche arrière. Et en fait, j'avais déjà vu au Bangladesh des moteurs comme ça. De temps en temps, par erreur, le truc démarrait à l'envers. Et du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, ça peut marcher. Alors, c'est super dangereux pour le moteur, ça peut tout casser. Mais j'ai fabriqué une manivelle pour pouvoir le démarrer à l'envers. Et j'ai fait venir deux fois l'ingénieur, ça ne marchait pas. Et la troisième fois, mon frère essaye et paf, ça marche. Alors, en fait, les autorités découvrent que vous avez de faux papiers. Heureusement, vous êtes sauvé par le directeur du yacht club de Suez, en fait. Il a peut-être eu peur que mon bateau pourrisse dans son yacht club. Et il a téléphoné au patron du canal de Suez qui a dit, bah oui, il peut passer. Alors, vous avez payé 40 euros pour traverser le canal de Suez. C'est quand même le passage le moins cher de tous les temps, quoi, non? Pour eux, c'était un record, ouais. Ouais, c'est ça, je crois que personne n'a payé aussi peu. Alors ensuite, la Turquie, la Grèce, l'Italie. Et le 17 août 2010, après 6 mois de navigation en solitaire sur votre coque en toile de jute, vous arrivez à la Ciotat, vous venez de parcourir, Corentin, 14 000 kilomètres. La jute a tenu. Ouais. Mission accomplie. Il y a pas mal de trucs qui n'ont pas tenu, mais tout ce qui est jute, ça a tenu. Alors, le 15 septembre suivant, vous présentez votre bateau au public. Et aujourd'hui, vous l'avez prêté une copine pour traverser l'Atlantique. Ce bateau, il en aura fait. Hein. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un, Capucine, qui a pu reprendre le bateau. Et elle a pu continuer à faire vivre le bateau en traversant l'Atlantique avec. Ouais. Et donc là, le Taratari, qui est parti du Bangladesh, est en Martinique. Oh là là, c'est extraordinaire. Non ? Alors voilà, vous avez construit ensuite un deuxième bateau, toujours en jute, qui s'appelle le Gold of Bengal. Alors là, vous voulez travailler l'autonomie. C'est-à-dire que dans ce bateau, il y a une serre pour les légumes, un poulailler pour les œufs, ce qui fait que tu peux te balader et bouffer pendant des mois et des mois et des mois. En théorie. En théorie. Non, parce que justement, le but, c'était d'expérimenter tous les systèmes qui mélangent high-tech et low-tech, en fait. Ouais. C'est-à-dire essayer de faire pousser des légumes sans terre en aéroponie, c'est-à-dire qu'il faut réussir à créer un engrais à base de fientes de poules, d'urine, d'algues, doses de poulet concassées, etc., pour réussir à donner tout ce dont la plante a besoin.
Et puis, vous avez créé une association pour des projets à base de jute pour que les paysans du Bangladesh continuent à en produire. Ouais. Vous êtes génial, Corentin, vraiment, vraiment. C'est l'illustration de ce que disait Gandhi. Ouais. Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, mais une forêt qui pousse le fait en silence. Et ouais. Ça, c'est des forêts qui poussent partout de gens qui ont plein de petites initiatives, franchement. Et c'est vachement bien. Je souhaite à la France d'avoir beaucoup de Corentin. Ouais. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Delphine Bateau, députée PS, bientôt nouvelle donne des Deux-Sèvres. Laurent Voulzy, merci Laurent. Le coffret double CD DVD s'appelle Listen Love Tour, et c'est magnifique. Bruno Gassio, petit manuel à l'intention d'un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche aux éditions Les Liens qui Libèrent. Jean Humbert, qu'on retrouve dans 100% Mag sur M6 et sur Sister avec Norbert et dans son restaurant La Cajou. Caroline Pigozzi pour Ainsi fait-il chez Plomb. Et Corentin de Châtel-Perron pour l'aventure du Taratari à la découverte. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.